Bonsoir et bonsoir à tous à toutes, et bienvenue. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Shadow of the Tomb Raider, et bienvenue pour la suite alors qu'on reprend directement, juste après, décédé comme un gland total et absolu, dans ses entrailles. Alors que nous allons avoir notre premier screamer d'ici quelques secondes. 3, 2, 1, et bouh! Voilà. Allez, c'est parti. Allez mon grand, on dégage. Tu vas mourir à coup de fusil à pompe, enfoiré. Il est où? Hop là. Putain, c'est tellement gratuit ce truc. Merde. Voilà. Donc, en voilà d'autres tout à fait. Yep là. Enfoiré. Hop. Ah, ça marche pas très bien le corps à corps contre eux. Bon. Ok, on dirait vraiment qu'ils sont insensibles aux dégâts, c'est fou. Il y en a combien comme ça? Voilà. Vous mourrez. Faut que je bouge. Dans les flammes de l'enfer. Voilà ce que nous avions fait lors du précédent épisode et que nous avons refait pour réajuster nos erreurs. Alors que nous venions de gagner notre fusil à pompe, et ceci est absolument répugnant, hein. J'ai pas mentionné ça la dernière fois, mais... c'est hautement dégueulasse. Donc on va essayer de privilégier un petit peu les flèches. Parce qu'ils sont pas forcément beaucoup axés corps à corps, enfin distance. Ou en tout cas, ils sont à armes égales comme ça. Hop là. Donc reprenons là où nous en étions. C'est-à-dire par là. Allons-y. Allons-y. Les saloperies. Ok, ça on le refait vite fait en deux spies, ça va être rapide de toute façon tout ça. Hop là. De 1. Et de 2. Allez. Et de 3. Allez. Alors que nous sommes menacés de toutes parts par des... Alors on sait toujours pas. Parce que j'ai l'impression que le lore porte à croire que ce ne sont effectivement pas des conquistadors, donc ce seraient des gens qui sont originaires d'ici. Des Aztèques, des serviteurs d'un dieu, j'en sais rien. Hop, ça on l'avait déjà vu. Oh ouais, mais faux. Allez. C'est un magnifique exemple de la version de l'ordre de Sainte Brigitte. Voilà, parfait. J'ai réussi à tout choper dessus, c'est ce que je voulais. Parfait. Récupérer ça. Juste de vérifier qu'il n'y a rien d'autre.
que je connais le jeu, hein. Le jeu, ses innombrables loot. Ok. On perd pas trop de temps. Ok, oui, il y avait un peu de loot à choper ici. On va faire ça. Juste après avoir récupéré notre apnée, il y a juste 2-3 trucs à choper. Ça. Voilà. Tout ça, on avait déjà fait lors de l'épisode précédent. Mais on s'en rapproche de là où nous en étions restés. Et vu que je suis mort comme un sac et comme un sale, évidemment, le jeu ne m'a pas autorisé, malgré l'injustice que j'ai subie, de recommencer au plus proche de là où j'étais. C'est pas grave. Allons-y. Là, si on fait pas d'échec. Parfait. Là. Allez. Esquive. Bien. Hop là. Esquive illumination. Très bien contre eux, hein, ça. Quoi qu'on en dise. Ça, on l'avait vu. Et voilà. Là où nous en étions restés. Alors, avec ces 1 milliard de pieux qui sont juste en dessous de nous, donc on va faire attention. Allez, on va prendre encore un aller. Retour! Oh putain! La dernière fois, j'avais foncé ici, j'étais tombé là, j'étais dégoûté de la vie. 1er décembre 1603. J'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit étrange. J'ai trouvé Lopez devant le feu qui n'était plus que des braises, comme absorbé. Je lui ai demandé s'il avait, lui aussi, entendu le bruit. Il m'a répondu par un grognement. Je lui ai jeté une couverture sur les épaules et j'ai entrepris de ranimer le feu. Enfin, je me suis assis et j'ai tendu l'oreille. Des cris et des sifflements, probablement déformés par les méandres des boyaux de la grotte. Mais plus loin, derrière tous ces sons, j'ai discerné un faible bourdonnement. J'ai déjà cru entendre quelque chose d'approchant, mais rarement et seulement au plus profond de mes prières. J'ai cru entendre la voix de Dieu. Ok. Oh putain, par contre, c'est sombre, hein. Ah voilà, merci. Merci là. Ok, ok. Vers où je me dirige, je ne sais pas. Ça alors, il y a quoi derrière cette porte? Excellente question. Oh putain. Bourrine. Bourrine cette Lara. Alors qu'il fait tellement sombre dans cette zone. Ah, cette salle ne sert strictement à rien, très bien. Beaucoup de choses avec lesquelles je peux interagir techniquement. On va voir ça. La boîte est peut-être là. Peut-être. Mais je doute. Les chelles et chaque chelle qui protège la boîte. Putain, la corne. Ok. Toi. Putain, de la saloperie tout ça. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Ok, je suis full là-dessus. Voilà. Je vais récupérer... IU.
Saloperie. Hop là, contre-attaque esquive. C'est beaucoup trop craqué par rapport aux épisodes précédents, ce truc. Mais malheureusement, étant donné qu'ils sont pas enclins à me fournir des munitions à poudre, je ne m'autorise pas à tirer réellement autrement. Donc à ça, hein, on prend. Ah. Pardon, j'étais mes 10 ans. Comment ça, je suis plein? Merde. Bon, bah très bien. On peut s'autoriser à l'utiliser un tout petit peu. Ce genre de baril me fait juste me dire que... meilleur du monde. Merde. Saloperie. Je peux pas les tuer. En tout cas, ça m'a pas l'air. C'est de voir ce que je fais. Je sais absolument pas là. Pour le coup, j'agis sans réfléchir. Ok, si. Bien. Je voulais lâcher la corde. J'ai raté. Voilà. Non. À moins que non. À moins qu'il faille. Faire ça, placer ça dans l'autre sens. En gros, j'ai bien compris qu'il fallait utiliser la roue, mais... au moment où la roue, je ne peux pas l'utiliser parce que l'autre est bloqué. Là, voilà, je vais pouvoir techniquement avancer et potentiellement voilà. Casser ça. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres ennemis autour. L'air d'aller. J'observe. Voilà. Ok. Deux cartouches par enfoiré, ça va le faire. Dommage. J'aurais aimé pouvoir détruire tous les nids. Bon, moi j'appelle ça des nids. À ce stade-là. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir. Oh bah. Ok. Là, il va falloir donc reprendre Stark. Là. 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 Enfin, on avance. Exactement. Mais c'était ça, c'est prévisible, ça c'est lisible comme énigme là. Hop là, on va activer la roue. Oh putain, sachez qu'un jour on va probablement faire du Timberborn. Pourquoi? Parce que je trouve le jeu absolument exceptionnel. Voilà, j'y suis presque. J'y pense parce que justement je vois les roues à eau. J'ai essayé le jeu juste hier pour l'anecdote. Je trouve le jeu vraiment exceptionnel.
Oh merde. Il y a tous les côtés à faire. Il sort d'où comme ça? Du trou du cul du monde. Ah. Ah, ça brûle, hein. Ouh, le backflip. Merde, j'ai raté, mais... Ça, voilà. Ça, voilà. Beaucoup mieux avec une sens si basse, hein. Aïe, 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 aïe. Voilà. Bah oui, mes salauds. La technologie. Vous êtes peut-être plus costaud que la moyenne, mais quand même, à ce point-là, faut pas déconner. On va récupérer un peu de soins et tout ça, puisque c'est vrai qu'on en bouffe un peu quand même dernièrement. Et le cadavre de cet homme que j'ai incendié avec le plus grand plaisir. Et donc... Techniquement, il y en a autre part. Ah! Ok. Voilà, la deuxième roue. Bien. C'est moins réactif que dans les précédents, j'ai l'impression aussi. Enfoiré de merde. Hop, dans la tête. Pas prendre de risque au niveau des blessures. Ok. The God en puissance, franchement. Ok. On va préparer, on prépare le fusil à pompe au cas où. Les pots qui me bloquent. Voilà. Ah, ça, ses pieds fait chier. Allez. Ils sont tellement mal. Ces enfoirés. Ah, il y a un peu de cartouches quand même. Les flèches et les cartouches, c'est appréciable tout ça. On a économisé tout le long du jeu pour vraiment se battre juste ici pour le moment. Contre ces trucs qui sont beaucoup trop résistants. Ok.
Comment je peux le débloquer? Si je tire. Non, ça passe pas. C'est ça qui le bloque. On va voir. On va explorer un peu plus en profondeur. Ça m'étonne que c'est pas, que ce ne soit pas là. Pour moi, ça paraît très évident que ce soit ça à débloquer, mais... Comment le faire ? Bon, on va explorer, on va essayer de chercher. Oh, ça coince ici. Non, ça l'a bien ici, je sais pas. Je foule ici. Je prends des végétaux quand même parce que ça fait de l'argent. Dans le pire des cas. Ça pourra servir. Non, et la roue haut, je peux pas monter dessus. Ok. Avançons. Là, de toute façon, je pourrais pas, hein. Ah non. Non, enfin, ça me paraît logique, mais... Là, par contre, là, ça me paraît moins évident. Jusque-là, je trouve pas forcément ce que je dois faire. C'est un tatinet problématique. Non. Pas ici. Qu'est-ce qui pourrait le débloquer ? Quelque chose ici qu'il faudrait débloquer, j'en sais rien. Alors déjà lui on va le faire sauter. Ah c'est un peu de la bite hein. Peut-être que si je fais ça... Allez savoir pourquoi, ça va débloquer le truc. Non, j'arrive pas à le débloquer. Mais je suis sûr qu'il faut interagir avec ça, mais je n'y arrive pas. Bah merde. Bon, que ce soit buggé aussi, mais ça me paraît très bizarre. Um...
Comment je préfère? Parce que là, j'ai des ennemis qui sont intervenus. Une bonne chose. Mais le fait qu'ils interviennent, ça signe... Cherche désespérément, mais je ne trouve pas. Putain, comment ils ont pu ramener des bouts de bois aussi gros ici, quoi, franchement. Là, il y a des choses, mais... Ça... Hein. Ouah, j'ai gagné un pot. Avec des pièces de mécanique. Comment je pourrais le faire? Pour moi, l'objectif, c'est de le tendre, mais pour le moment... Enfin, pour moi, la logique serait simple. Mais j'ai l'impression que ma logique n'est pas la bonne. Ok. Là, ça me paraît plus... Ok. Ok. Fait que je sois complètement immergé, en fait, pour réussir à le péter. Celui-là. Oh, les animations des fois. Je sens que certains sont assez faibles et d'autres sont assez strong. Hop là. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se prennent une bastos dans la tête, ils meurent, et les autres, il en faut au moins de 3. Allez, il n'y en a pas au-dessus là? Non. Merde, ils sont trop nombreux. Bon, non. Non. Ok. La roue est lancée. C'est tombé dans ce sens-là, une roue? J'aurais mis ça dans l'autre sens. Ils sont calmés d'un coup. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Enfoiré. Ils sont pas entrés. Ils seraient maudits? J'ai tellement de 80 millions de théories foireuses, ça me fume. Putain. Combien un jour je trouverai la bonne théorie? Ces silhouettes, on dirait ces créatures, mais elles sont magnifiques. Yashil, déesse de la protection.
La boîte d'argent d'Ishel fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là! C'est forcément là! Oh my! Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Une éclipse et un héron. Comme les tatouages de Noratu. Mais où est la boîte? Ok. Cours, 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 cours. Cours. Bonsoir, bonsoir. Non, 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 c'est pas. Ah, pas dire, pas dire. Cours, 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 cours. Ça fait deux fois en quatre épisodes que c'est court comme ça. Ça fait trois fois dans la... Ça fait trois fois dans la série que t'es obligé de courir comme un imbécile comme ça. Cours. Putain. Hop là. Hop. Ils sont tellement nombreux. Et je suis mort. Alors là, ça me fait peur par contre. Ok, c'est reparti, c'est parti. On y retourne. Hop là. Allez, go, 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 cours, chopette, ça fait la troisième fois que j'essaye, la troisième fois que je me retape ce putain de niveau. Allez, go, 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 go. Première fois, je me suis pris une putain de flèche dans les mains. J'ai pas pu monter à un mur, je suis dégoûté de la vie. Allez, on y croit. Hop là. Hop. Là, tout va bien. C'est là. Hop là. Là. Hop là. Oup là. Na, na. Ah, ah. Pris une flèche. Vite, vite, vite. Ah. Cours, 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 cours. Vite. Ok. J'ose imaginer qu'ils vont pas me suivre. Fais juste attention à la population marine. Ok. Ah, oh, putain. Ah, oh, la saloperie. On racle le sol. Racle le sol, j'ai pas vraiment d'autres moyens. Ok, non. Je remonte vite. Allez. Allez. Ah, putain. Ah, bordel de merde. Ah, troisième fois que je tente cet endroit, c'est un enfer. Pas de feu par là. Ah. Quel enfer. Bon, on va prendre son temps. Ça, c'est encore sombre. Ça a l'air d'être calme. Et donc, on n'a pas cette putain de boîte.
Hop là. Au secours. Et hop là. Ah putain. Des bouteilles. Ok. Ok. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qui c'était-elle? Je trouvais son design extrêmement stylé. Je peux m'en servir pour grimper hors d'ici. Oh putain, faut que j'y ressaute. Non, dis-moi pas que j'ai ressauté. Ah putain. Point de sauvegarde, s'il vous plaît. Ah putain. Je sens la saloperie arriver. Il y a un camp ici. Hop là. Hop là. Ok. Je tiens. Doucement. Parce que là, on est quand même vachement à l'horizontale. Hop là. J'ai les doigts sur la touche. Ok, aussi, je dois me réceptionner. Est-ce qu'elle est née après avoir découvert? Oui. Oh putain. J'ai l'impression de me retrouver à un niveau beaucoup plus raisonnable. Oh putain. Oh là là. Ok. Mais quel enfer. Je suis obligé d'avancer. Je suis où? Ok. Appuie sur espace pour franchir. Ok. Il faut que j'appuie deux fois sur E. Pour vraiment bien me réceptionner. Ok. Hop là. Oh merde. Oh t'es sérieux? Oh putain! Oui. Vous êtes sérieux? Au secours! Là, j'ai les mains moites. J'ai les mains moites. Je prends mon temps là. Ok. Oh putain! Allez, faut qu'on avance, faut qu'on progresse. Voilà. C'est de bien timer tout ça. Ok. Ok. Hop là. Putain. Je vais devoir sauter. J'ai pas le choix. Quoi? Oh. Hop là. Ok. Oh putain. Je me venge sur cet insecte.
Ok. Oh merde. Allez! Allez! Mais descend. Descend triple buse. Oh, il y a de l'oxygène. Ok. Ok. Oh là là, c'est tellement loin. Oh putain. Allez. Ressors vite de cet endroit. De mort. Allez. La civilisation. Oh putain. C'est la grotte que j'avais vue la dernière fois. Ok. On repasse un peu plus traditionnel. Oh, le feu de camp. Oh, il fait du bien. Oh, putain. Je ne sais pas ce qui me poursuivait. Mais ça n'a pas d'importance. Qui a bien pu laisser ces gravures de Héron et d'Éclipse? Il va falloir que j'en parle à Unuratu. Ok, je suis obligé d'augmenter les dégâts de mes armes, puisque elles ne font absolument pas assez. J'ai envie de prendre le fusil à pompe à canon scié, puisque ça me fait beaucoup trop rire. Non, on va rester sur celle-là. Très bien. Compétence. Ah putain, mais quel enfer. Ah putain. Naranok dispute en se répond encore Nichol, temps d'action pour s'échapper au, pour s'échapper au piège et saisir des ennemis. Monter. On va voir. Augmente les chances de récupérer des flèches. Ouais, on va prendre ça. Ah putain. Ah là là. Ça enregistre toujours, heureusement. Ah, je la refais pas deux fois à cet endroit-là. Vous savez quoi même? Sauvegarder le jeu, hop. Oui. Putain, on a fait 40% du jeu déjà. En 10 épisodes. C'est pas grave. Je dois aller où? Je vais aller de l'autre côté. Ah, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ça fait plaisir d'avoir un peu de civilisation. C'est vraiment plaisir. On va avancer encore un tout petit peu dans les missions, etc. Et un coffre trésor. J'avoue que le coffre trésor, par contre, il me fait de l'œil depuis depuis que j'ai le crochet. Donc on va d'abord aller chercher le coffre trésor. Et après on verra. C'est l'effervescence ici en ce moment. Ah oui, non, on a déjà parlé. On t'a déjà parlé, pardon, je suis bête. C'était par où? Je sais plus. Je sais que je m'en rapproche. C'est en hauteur. Viens. On va voir ça. Ok, je vois où on va. Le coffre est là. Alors, je peux le déchiffrer, on va le déchiffrer juste après. On va se poser quelques instants, je pense qu'on va pas trop avancer dans l'histoire. Oh putain. Des richesses. Ces formes ressemblent à des aéronefs. Comment pourraient-elles être d'origine Inca? Ah, je vois. On dirait des insectes. L'archéologie est une science complexe. Vous devez vous projeter dans l'esprit de gens et de peuples disparus depuis des siècles. Les hommes interprètent les phénomènes qui leur semblent étranges à l'aune de ce qu'ils connaissent. Si les Incas avaient vu des avions, ils auraient peut-être cru qu'il s'agissait d'oiseaux. D'ailleurs, ces formes ne représentent peut-être pas des insectes. Certaines ressemblent plus à des poissons. Mais j'avoue qu'on dirait un crocodile. Dans humain. Oh well. Ok. On va se poser un peu. Et on va avancer ça. Impossible de comprendre ce que je lis. Ah merde.
suis trop con. Ok, je suis trop con pour pouvoir lire ce truc. Là. Là-bas, là-bas. Allons-y. Un petit tour. Bonsoir. Ok. Et donc si on trouve le dernier, on le fera probablement de l'autre côté du village. S'ils ont une répartition très Ubisoftienne dans leur... de leur défi et autres bignou. Bon. Allons vers le... Putain, j'avais pas vu ça. Oh, oh c'est beau. Ah mais attends. C'est là où j'étais ou c'est autre part encore? Ça a l'air d'être encore autre part ça. C'est beau hein. C'est stylé, c'est stylé. Lara, si tu m'entends. Je suis là. On n'est pas chez Uluwatu. On est dans une grotte pas loin. Il y a un héron et une éclipse à l'entrée. Ok, j'arrive. Très bien. Ok. Ah, à coup sûr, ça va être l'endroit où on pouvait apercevoir l'intérieur, mais de très loin. Enfin, on ne pouvait pas s'y immiscer. Genre là. Voilà. Il y avait une tige avant, je ne pouvais pas y aller. Il y avait un bout de bois en scénarium. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là. C'était un piège. Ils ont pris la boîte et... Uluwatu a été capturé. Ouais, on est au courant. On est en train de réfléchir à un plan. Attends, c'est eux qui ont pris les... Non. Elle se trouve dans la prison près du vieux temple. Akan y est allé. Mais ils l'ont eu aussi. On va attaquer le pont qui mène à la prison. C'est trop agressif. Et si je grimpais ici, je la libère et je donne le signal pour l'assaut. Ça peut le faire. Edsley est en train de fouiller le temple du quartier supérieur. Il va te trouver un chemin. Je vais aller lui parler. Les renforts seront là quand tu l'auras retrouvé. Parfait. Ah ! Puissance et sécurité. Merci beaucoup. Oh ! J'avoue que le... Je vais la retrouver. Il est métal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le masque. Avec le crâne et tout, là. J'aime beaucoup. Bref. On verra ça dès qu'il... Oh putain. Vraiment, oh la tête. Tu crois à ça? Le grand Shinchishika et le bouclier du faiseur d'âge. Pourquoi pas? Ok, donc là c'est la zone. C'est la... le repère des rebelles. Bon, en tout cas j'interprète ça comme ça. Très bien. J'aurais dû faire quelque chose. Ils ont capturé Uno. Merde. Ah ouais, mais non, mais c'est qu'elle parle en même temps. En même temps, elle lui parle à l'autre Thierry, là. Ça ne facilite pas la tâche. Ça a la tête, par contre, quand même. Attends. Est-ce qu'il va lui reparler si je me rassois? J'aurais dû faire quelque chose. Ouais. Ils ont capturé Uno à tout. Ouais. La raison du plus fort. Et les autres rebelles, ils vont les tuer pour l'exemple. C'est pas à ça qu'il faut penser pour le moment. Mon Pardon. Dieu, quel cauchemar. Oh, t'as tué un village entier, faut se rappeler. Ok. Eh bien, ce que nous allons faire... Alors, ça fait longtemps qu'elle me fait du regard. Là-bas, ça va être la quête secondaire qui est... Ici, il n'y en avait pas une autre part. Je sais plus. Non, pas par là. Non, bah juste ici, il y en a une. Donc, on va voir ça. Je vais regarder ça. On va regarder ça au prochain épisode. Ouais, ce sera très bien. Sur ce, c'est la fin de celui-ci. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais tous de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zoup.